Ah, Où Volo a est-il, encore envie de te Volo? parler, Marie. Oh Seigneur, putain. Volo! Je suis ravie de voir qu'il fait vraiment ce même effet à tout le monde. Hein. Volo, on s'emmerde! S'il te plaît! Est-ce que vos recherches me permettent de découvrir? Oui, bien sûr. Putain, ma ceinture, ça va pas du tout. Hein. Oui, c'est vrai que par contre, pour essayer de te mettre à walp et de te rhabiller, genre. D'accord, très bien. My research turned up a rather brilliant technique that seemed quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. No. I've a needle in my tunic, after all. No. No. Alors, allez-y, c'est bon. C'est donc la solution. Je préfère attendre d'avoir une seconde d'opinion vraiment juste. C'est-à-dire que l'aiguille, je m'attendais à une aiguille de couture, pas un putain de. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. Non. C'est un homme de confiance. Hein. Non. Oh là, ma ceinture. Ça suffit. Oh, wow. Il y a un problème avec la texture, effectivement. Don't dally, oh, wow. My friend. Wow. Eh ben, attends, bah oui, du coup, les pouvoirs, machin... J'ai dit à Astarion que je voulais lui enfiler un. Est-ce que... Oui, bah oui. Tu peux, effectivement. Alors, lui, j'avoue, enfin... aller chercher Sens des Royaumes Lointains, c'est chouette. Le truc où tu transformes d'office en coup critique comme Astarion et fait super mal avec ouais, une attaque sournoise. Ah oh ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Si je peux me permettre de te donner des petits tips, bien sûr. Bien évidemment, voilà, totalement. Voilà, je me permets. Merci, merci pour les petits tips. Tu es content, Astarion? T'as dit que t'allais t'en souvenir? Eh, hey, voilà. Voilà, attention. T'as intérêt à t'en souvenir, hein. Est-ce que tu veux que pour la séance, je parle à Volo? Oh oui, pitié. Parle donc à Volo. Allez, hein. Ouais, t'inquiète, allez, c'est parti. Ouais, on l'a vu ça. Attends, tu vas lui dire. Marie, est-ce que tu veux que pour la séance? Attends, F5. Vas-y donc. Allez-y. Pour la science, hein. Carefully holds one of your eyes open and begins to prod. Allez, on s'accroche, hein. J'espère vous craignez pas trop. En du resto avec moi, l'inconfort de la situation. L'inconfort de la... J'ai un pic dans l'œil, Marie. L'inconfort de la situation et attendre patiemment qu'il est terminé. Vous avez la moindre idée de ce que vous faites? Je vais lui demander quand même, hein. Vous savez ce que vous faites? Oh, les beaux bruitages. Serrez les poings. Allez, je continue, je serre. As the needle snags on your optic nerve. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve. Monsieur, ça suffit, c'est mon cerveau, ça. I shall need a more robust implant. Et quoi? Cet obstacle, c'est mon œil. Arrêtez tout de suite. Oh bordel! Si je vais au bout de l'expérience, Marie. Bien sûr. Bien sûr, allez, c'est parti. Je vais donc au bout de l'expérience. Ah, il a arrêté, ça y est. Then reaching into his bag, he produces an ice pick. Il a des gros problèmes. Wow! Je... Observez nerveusement l'ustensile tout en donnant tout de même la permission de continuer. Bordel. Attends, il te donne la beaucoup gueule. D'options. C'est parti, hein. Allez, hein. Fermez les yeux si vous êtes sensible. Don't move. Je retiens mon souffle, Marie. Je retiens ton souffle. Tout le monde retient son... Les ailes désapprouvent.
Attends. Stab. Do you feel that? I think we have the blighter on the run. Oh wow. It's a feisty critter. Oh mes frères, ça suffit. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. J'avais jamais osé, ben voilà, pour vous, pour la science. Il m'a défoncé l'œil. Allez, je vais la mettre au lit maintenant. Ça va, vous? Mais quel moment tu survis à ça? On est solide. Vous m'avez nuque, espèce de crétin congénital. J'ai pas lu, du coup, je tiens à vous dire que je n'ai vraiment pas lu et nuclé. Je n'ai pas lu. J'ai dû relire le mot, mais tout va bien, enfin, je crois. J'ai l'impression que je n'y vois plus que d'un œil. Espèce de crétin. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something. En partie responsable, tu as mis un pic à glace dans mon. Oh. Oh non. Ah. C'est un. Take this. A far superior relic to that old jelly you were trained to. Try it on for size. And it was very nice to have met you. Mm-hmm. I'm sure you'll solve that your little brain problem. Ouais, bah c'est super, hein. Merci beaucoup pour ton aide, Volo, vraiment. Terribly sorry, my friend. Allez, salut. Mais non. Bonjour. Non. Et j'ai maintenant un nouvel œil. Tu as un nouvel œil. Il est incroyable. Oh, il est beau en plus. Je voilà, c'était pour la science, mais en vrai, on peut le garder parce que du coup, mon nouvel œil me permet d'avoir détection de l'invisibilité. Incroyable. Voilà pourquoi. N'hésitez pas, petits tips dans le jeu. Voilà, si vous n'aviez jamais osé, faites-vous arracher l'œil par Volo. Vraiment un pur moment de plaisir. Pour ensuite un bonus permanent. Je n'ai pas les mots. As-tu apprécié ce partage d'expérience, très cher, pour la science? C'était magnifique. Je me suis permise, voilà, pour voir ça, parce que wow. C'est vraiment barré en mode « Allez, un bon courage avec votre problème, du coup !» Oh my god. Oh putain. Je... Par contre, c'est violent. Mais il est incroyable, le jeu, quand je te dis qu'il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont drôles, en vrai, je... Oh, c'est fou. Si oh toi God. tu le fais, mais si tu le fais pas, moi j'irai juste pour que tu vois la l'interaction parce que c'est trop drôle. Oh là là. Je suis un peu un cobaye finalement, bonjour. Tu es un peu commun avec Will maintenant, c'est vrai. Oh waouh. Waouh. Et bien voilà. C'est magnifique. Détection de l'invisibilité qui, l'air de rien, est quelque chose de très pratique. Wow. Oh putain. Ah là là. Oui, oui. Est-ce qu'on est proche de sauver ce druide quand même? Est-ce qu'on revient, on essaye de le buter en une heure, enfin le buter, non, de le sauver. Oui, buter, enfin, la meuf et tout. Ou est-ce qu'on avait une meuf niveau 6 devant oui. nous? Moi, je peux en vrai glisser, si tu te sens de glisser. Moi, je suis bien là, mais après, en vrai, oui, en une heure et demie, on peut avoir fini la zone. S'il faut, je te guide un peu vers là, où. Une heure et demie, ouais, je me dis... En vrai. Je vais chercher 2-3 chips. Moi, je vais par contre, je vais aller me chercher vraiment à manger. Genre, j'ai préparé, écoute-moi bien, des concombres à la crème. Avant le stream, en mode, si j'ai un creux, juste je me sers une assiette et c'est parti. J'ai rien mangé depuis hier. Incroyable. Et là, la faim se fait sentir maintenant. Donc en vrai, juste petite pause de genre, je vais chercher à manger et voilà. Petite pause, chercher à manger. Mais on continue, ça te va, moi, je suis bien. Moi, très bien. Parfait. Allez, hein. Eh bah, trop bien. Il est trop prenant, ce jeu. On a pas envie de s'arrêter, c'est aussi, incroyable, là. C'est incroyable.
Je suis si fan. Ok. Ah, je suis contente. Eh bien, est-ce qu'on fait un AFK 5 minutes en même temps ou juste toi tu vas chercher et tu reviens et après, je peux encore me blesser s'il faut en attendant. Et, okay. Et après, inversement, tranquille. Eh bien, parfait. Bah, écoute, je meuble. J'arrive. Eh bien, let's go. Hein. Enfin, tu arrives, je meuble. Je, plutôt. Oui, plutôt l'inverse. Voilà. Mais on est là. Non, tu arrives voilà. Et moi, je meuble. C'est bon. C'est bon. À tout, évidemment. Magnifique. Eh bien, je vais en profiter pour Respect Shadowhearts. Ah, donc, moi, j'y vais. Toi, tu attends. J'ai pas compris. Hein moi, non, c'est vais, toi qui vas. Ah non mais c'est bon, tu respectes, bah très bien. J'y vais là tout de suite, j'arrive. J'en peux plus. J'arrive. Je crois qu'on a des problèmes de communication. Oh putain, je suis morte. C'est comme ça que j'ai fini avec 7 heures de jeu d'un coup. Ah ouais, non mais ça... Voilà, donc je vais en profiter juste... ouais. Nanana. Oui, voilà. Alors, s'il te plaît, est-ce que... Nor this writing. Oui, non, mais Osef, je veux juste... Voilà, aide-moi à changer de classe. Est-ce que je... Ouais, j'ai envie de respecter Ombrecoeur juste en meilleur heal. Genre, je veux juste changer son... Ouais, voilà. Voilà, allez, c'est clair, je veux pas la changer de ça, mais par contre, vraiment... Ils en ont rajouté ? Mais what, le nombre de domaines d'éclairs ? Domaine de la vie, voilà, merci. Oh là, le domaine de la vie. Oh, domaine de la vie. Merci. Comme ça, techniquement, disciple de la vie, votre dévotion renforce vos sorts de soins. Quand vous lancez la cible, récupère 2 points de vie. Ouais, on va aller chercher ça, je pense, en vrai, hein, pour qu'elle soit overcheat sur le heal. Et après, les caractéristiques, en vrai, ouais, hein. Vas-y, on va garder ça, hein, confirme. Tadam. Merveilleux. Ah, faut que je refasse mon level up. Allez, c'est parti. On a le temps, du coup. Alors, Shadowhearts, tadadadadam. On va te virer la création d'eau. On va te mettre le souhait. On va te mettre ça. On va mettre ceci, parce que ça, c'était chouette quand même. Et ceci, voilà. Merveilleux. Merci à vous, une porte de fond. Merveilleux. Ah, elle est revenue. Bonsoir. J'ai respecté notre chère Shadowhearts pour qu'elle soit une claire de type soin uniquement, beaucoup. Oh là là. Pour qu'elle soigne, parce que le soin, c'est important, n'est-il pas ? Le soin, c'est important. Je la ramène donc niveau 4, hop, et on est parti. Je suis allée chercher une bière à la cerise et du chocolat noir. Voilà. Petite Arrête. Bière à la cerise. Incroyable. Petite tablette de chocolat noir. Petit chocolat noir, let's go. Let's go. Et en dôme, je lui avais mis. Et on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. Merveilleux. Allez, super. Et bien écoute, je vais chasser moi-même le miam miam. Je va suis, donc j'arrive de suite, évidemment. À tout de suite. À tout de suite. Magnifique. Nous revoici. C'est vrai que quelqu'un avait posé une question intéressante de type comment est-ce que le gars là, Volo, c'est ça ? Comment est-ce qu'il a eu cet œil ? Comment ? Pourquoi ? Son personnage est fort intéressant. Franchement, c'est fou tout ce qui se passe. Je m'attendais vraiment pas à... Je m'attendais pas du tout à ceci. Mais voilà, on est là, on va bientôt sauver le druide, j'espère. C'est 4 heures sur PG3. Après, on parle beaucoup, on prend beaucoup de temps, on rigole beaucoup. Donc effectivement, on prend plus de temps que d'habitude. Mais on va le sauver, ce druide. Elle m'avait dit, je me souviens quand je suis venue la semaine dernière chez Yuno, je lui ai dit, ouais, quand est-ce que... Enfin, on en a pour encore longtemps à sauver le druide, genre 30 minutes et tout. Elle m'a dit, bah, entre 1 et 3 heures. Ça fait 4 heures, on n'a pas du tout. Hein. Santé. Voilà, petit apéro tardif, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. On est chill. BG3, en tant que grande streameuse, encore en live, fait des longs lives. C'est beau. Célébrons ceci. Santé. Bon, Yuno, elle a l'habitude, elle fait toujours des longs lives et tout, machin, elle est streameuse professionnelle, mais Marie est pas si professionnelle que ça. Mm-hmm. Tout est possible dans ce jeu, c'est fou. Hein.
Franchement, on a tous eu la même réaction avec Volo, mais il est incroyable. Vraiment, genre, les premiers dialogues avec lui, Sony, t'es un peu là en mode, il a l'air un peu perché, le gars. Plus il continue de te parler, plus t'es là, non, mais bichon, t'es un peu à l'ouest quand même. Et là, non, mais je pouvais plus, c'était plus possible. Et en fait, si tu te fais pas bouffer, enfin, si tu te fais pas crever l'œil par lui, genre, il reste et tout, il insiste, le gars. Parce que là, il s'est barré, j'imagine qu'on va pas le recroiser, mais... Après, tout est possible, mon dieu, j'en sais rien. Est-ce que j'ai... J'ai des parchemins, je sais même pas ce qu'ils font. Immobilise un humain. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Pendant 10 tours. C'est pas mal, ça. J'ai beaucoup de sous, aussi. J'ai un bâton, ça, je pourrais le vendre. Oui, ah, bonjour. Oui, bonjour. Je suis revenue. Je possède le miam miam. Incroyable. Je suis radie. Oh là là. Tout l'aventure. Oh, j'ai faim. Ah, j'avoue que c'est pas trop l'heure pour manger. Mm-mm. Faut manger plus tôt en général. Mm-mm. Mais bon. Disons que j'ai pris l'habitude avec les parenthèses. Il y a un moment où on dérapait pas mal. Oh ouais. Non, moi je mangeais avant. Ah oui. C'est vrai. Là, je me suis fait un giga méga avocado toast à 17h50. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais ouais. Je les soirs de parenthèses. Ah, merci beaucoup. Parce que c'est trop chiant, 18-21h, mm-hmm. dans le sens où... Enfin, 20h50, pardon, j'ai osé dire 21h, pardon. Pardon, pardonnez-moi. Sur la place publique. Je m'excuse, je me prosterne, je m'excuse. 20h50, non mais... Parce que tu manges toujours entre 19h et 20h30, tu vois. Mmh. Et quand ça dérapait jusque 22-23, ça glissait un peu. C'est vrai. Je me suis dit, non mais en fait, vaut mieux manger avant. Donc voilà. Sauf que pour manger avant, il faut déjeuner avant. Donc il faut déjeuner vers midi. Donc pour ça, il faut prendre le petit déjeuner vers 7-8 heures. Donc il faut se lever tôt. Ce qui est compliqué quand on glisse. Mais ça, c'est un autre souci. Alors, est-ce qu'on est reparti? Nous sommes repartis. Eh bien, c'est parti. Bon appétit, très cher. C'est parti. Bon, moi, j'ai du chocolat, mais... Chocolat, bière à la cerise. La vie. Oh là là, Shadowheart et ses sorts de vie, là, merci. Hein. Oh là là. Oh là. Alors, il y avait Chantal là-bas. Et mon œil, évidemment, Chantal. Chantal niveau 6. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que. C'est vrai qu'on m'a dit dans le chat. Ah ouais, non, mais en fait, je peux même pas lui parler, elle est vraiment rouge. Hein. On peut pas lui parler. Hein. Mais on peut pas. Parce que, attends. Elle est vraiment. Bah non. Elle est là-bas, elle est dans un coin, en vrai. Même pas obligé d'y aller, hein? Même pas obligé, ouais. Ah oui, attends, il y a une échelle. On peut monter et descendre de l'autre côté. Il y a trois mecs. Mm-hmm. Ah, on peut, hein? Il y a trois mecs. Ah, mais oui, mais du coup, après, on peut aller par là. Et là, non, c'est le début. Non, attends. Je. Merci au chat. Non, il y a une porte. Non, je pense que c'est plutôt pas... par là-bas. Pas souvent, mais parce quand que même. Chantal, on est d'accord que elle a une carte quand même sur son bureau. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Il y a un parchemin, ça marche, il y a une carte militaire. Merci pour ton follow. Je pense que... Je pense que de toute façon, on est illettré, on n'a pas besoin de carte, non? En vrai, moi, je trouve, après tout, on s'en sort si bien, là, comme ça, on en avançant. Si bien. Qui on a besoin de carte? Qui a besoin de cartes dans ce monde, genre vraiment c'est juste. De toute façon, on explore. À un moment, tout, on suit un rat, on finit en prison. À un moment, on suit une plage, voilà. On tue un enfant. À un moment, on trouve un bar d'Ima énuclé. Vraiment. C'est vrai. Il l'a énuclé. Oui, oui, choisissez bien le mot. Avec les lettres dans, dans cet ordre, évidemment. Putain. Ok. Et ben. Ah. Que. Ah non. Ah putain non. De merde. Non. Non. Pourquoi je suis en combat? C'est bon, c'est pas eux. Je sais pas, mais on est en combat avec qui? Avec ah, qui mais avec on est les en mecs combat de l'autre côté. Ah, mais ceux-là à quelle heure? J'avoue, frère, ça va, oui. Mais doucement, je veux dire... Là, Louis, elle est quand même vachement écoute-moi développée, bien. Hein. Je cours. Parce que Chantal, elle nous a écouté... Chantal, elle nous a même vu. Vraiment, on est mais dans oui. L'angle, genre, de, on a défoncé ses potes à Chantal. Et même elle a rien trouvé à y dire, genre...
Ok. Oh non, je vais être trop loin. Et eh ben je vais lui tirer dessus. Voilà. Je vais quand même descendre. Il me voit là. Genre ils nous voient pas là-haut. Genre, mais ils savent que, ils savent qu'on se bat. Du coup ils savent ils qu'on, savent est, là, qu'on est là. Ils savent. Aïe aïe aïe. Allez, ça dégage. Il y en a combien? Attends mais genre ah non il y en a trois, il y en a trois. Ils sont trois, on les défonce, on en a défoncé 16, Marie, franchement. Voilà. Ok. Ah oui, ça one try en plus. Ok. Ok. Merveilleux. Bon, j'avoue que comment ils nous ont vu, what the fuck? J'ai vraiment du mal à comprendre, hein, mais soit. C'est hein. Bug du jeu. Normalement. C'est quoi le but? Alors c'est toute une aventure. Globalement, on s'est fait infester par des flagellants mentaux qui nous ont mis une larve dans le cerveau qui va nous transformer en monstre globalement. Et donc notre but est de trouver un médecin qui pourra nous enlever ça. Et donc ce médecin, ce druide, s'est fait enlever par des gobelins. Donc là actuellement on est dans un camp de gobelins pour essayer de le trouver. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un peu dans un système de jeu de rôle, Donjons et Dragons, si tu connais un peu l'univers. C'est un jeu qui est fait un peu sur ça. Donc on vit une aventure et on voit ce qui se passe. On a fait nos persos et let's go. C'est maîtrisé, très cher. Totalement. Incroyable. Eh bien, let's go. Qu'est-ce qu'il fait, Michel? Est-ce que Michel prend une décision ou est-ce que... Ah, c'est pourquoi Shadow se prend une décision en Michel, mais quoi? J'avoue, bizarre. Y'a rien qui va. Eh ben, elle arrive, hein. Bah, elle arrive pas du coup. Allez, bonne chance. Pire ou moins pire que TBD. Oh, ça n'a rien à voir. Hop là. Parade. Ah non, pas touché. Ça suffit. Voilà. Ce sont bien mes gants. C'est mes gants qui font ça, je crois. Non, c'est pas mes gants qui font ça. C'est ma bague. Mais qu'est-ce qui me fait ça? Hein? Mais j'ai un truc qui parade de projectiles. Oui, le truc des parades, ouais, c'est parce que. T'en as aussi, moi j'en avais une, mais... Ah non, ça doit être assez un passif de ma classe. Ah ouais, ok. Bah let's go, hein. Il est où? Je vais lui mettre une tatane. Attends, il n'y a aucun monde où je l'atteins depuis ici, il y a un énorme poteau devant. You picked the wrong fight, friend. Bah let's go. Ah bah attends, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, let's go. Alors, oups. Ok. Est-ce eh bah let's go. Clé, il y a forcément une clé sur eux, il y a une porte. À moins que la porte mais elle est ouverte, la porte. Ouverte, oui. Il est vrai. Aïe, aïe, aïe. Hop. Je fais des DVD grâce à Marie, mais c'est le seul que je connais. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir en type de jeu, pour le coup. Mais c'est très chouette. Hein. Un jeu type aventure. Voilà. Là. Hmm. 3, 8, non, c'est pareil. C'est le même. C'est le même. Ok, je rentre. Ah, en Claude et Warg. Oh, attends, ils sont neutres! Comment ça, ils sont neutres? Ils savent ils pas? Ont, ils sont neutres! On peut leur parler, ils savent pas qu'on a buté tout le monde! Incroyable! Eh bah, let's go! Voilà la diplomatie, le retour là! Le retour! On est qui a dit qu'on était pas diplomate là? Hop, je suis en train déjà de voler tout ce qu'il y a dans le coin, mais c'est pas grave. Hein. Je te suis. Hein. Par ici. Hop, ah, tu es là. Alors. Non mais on s'en sort bien. Oui. Bah au moins on a buté tout le monde. Non mais par contre je sais pas comment. Je sais pas dans quel monde on est venu à on bout de ce camp vraiment. On était niveau 3. Il y avait 16 pélos. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Et c'est passé hein. Ouais. Moi maintenant j'adore. Maintenant que j'ai compris comment jouer avec Castarion, j'aime trop. J'aime trop. Ouais tu vois c'est à prendre en main, c'est ce que je te disais. C'est un peu difficile parce qu'il faut, il faut la technique. Mais une fois que t'as compris le truc du allez je me barre et là le côté l'aspect en voleur pour avoir deux actions bonus c'est overcheat en fait. Parce que du coup tu peux foncer, t'accroupir, faire ton action sournoise et tout péter en termes de PV. Franchement c'est trop bien. Effectivement.
Effectivement, j'aime beaucoup. Alors, on est parti pour être diplomate ? Eh bah, allez, hein, moi je te suis, vas-y. Oh, bordel. Oh, la diplomatie, c'est parti, let's go. Le retour de la diplomatie. Bien le bonjour. Wow. Comment allez-vous par ici, madame ? Bonjour. Comment allez-vous ? Oh, wow. Steal something. All right, the bollocks, will ya? I'm itching to throw someone in the prison. Non, super. It'll be fun. Non, non, ça suffit. Non, on est déjà en prison, ça va. Oh, oh, c'est lui. Non, c'est un. C'est une bougie. Non, mais c'est pas une bougie. Il y a un truc là-dedans. Non, c'est les wargs. C'est donc bel et bien ça. Ils sont niveau 2. Oh, c'est lui. Non, oui. Il y a un ours dans une cage, Judo. Il y a un ours. Il y a un ours dans une cage. Oh putain. Après. Non, si c'est lui, 100% c'est lui. Attends, est-ce que je peux parler aux animaux aujourd'hui ? J'ai failli attaquer le... Est-ce que je peux parler aux animaux aujourd'hui ? Même si c'est genre vraiment le petit truc, genre tous les matins tu te lèves, tu t'étires, tu sais... Oh, est-ce que je peux parler aux animaux aujourd'hui ? Je sais pas trop... Peut-être je vais prendre un petit café avant... Je suis morte. Attends. Est-ce que je peux communiquer ? Bonjour, je souhaiterais... Attends, 100% s'il vous plaît. Ils vont m'interrompre avant, mais je veux parler à l'ours. Ah ! Non. Non. Oh là, oh là là. Oula. Oh là, la diplomatie, elle va pas durer longtemps, you know. Elle va pas durer très longtemps. Mais défoncer si tu veux. Non mais c'est quoi ça? C'est bien le plus tranchant, t'aurais plus de chances de le blesser. Non mais qu'est-ce que... Vous foutez de ma gueule? We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. C'est le druide. Boss is thinking of serving it to the wargs. Non. And it makes for pour l'instant, c'est un ours. C'est toi qui vas faire des bruits rigolos quand... Dans tous les cas... Quoi? Pardon. Moi, allô? Non. Oula. Ah oui. Il y a eu un accès de... Oula. Ah oui. Non mais je sais que c'est des enfants, mais voilà, il y en a qui s'en prennent pas. Non, je... On en prend un pour taper sur l'autre là, bim. Allez hop. On va leur faire les pieds. C'est une journée. Oui. La larve en moi peut... Ah, la larve en moi. Je peux de nouveau, comment on dit, j'suis la mort. Dominance. Non, c'est quoi? Authority. Authority. Alors... Vas-y, Marie. En plus, sagesse, je suis trop bien, je suis sage. La vérité, c'est bon là. Je peux pas, c'est bon. Je ne peux pas faire un. Non. 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 C'est bon. Voilà. Je vois pas tout ça, c'est bizarre. J'ai fait 17. Oh. Ça va. Mais quelle femme. Incroyable. Yes. C'est ça. Respectez-nous là. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Mais c'est ok, le Père Noël il a dit que c'était ok. C'est toi qui m'as couiné. Non mais je te jure. Non vraiment. Mais arrête. Il nous lave sur un plateau là. Alors doucement. Ah bah... C'est-à-dire qu'on a tué tout le monde. On peut juste partir tranquillement. Je crois que partir tranquillement n'est pas une option pour lui. Regarde sa mâchoire, Marie. Regarde ses yeux. Il réclame du sang. Ces espèces d'enfoirés de gobelins lui ont lancé des cailloux. On aurait pu marcher dehors. Oui, on aurait pu. Avec le garde, non, tranquillement. Mais non. Bah écoute, c'est... Allez, basse-t'en. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh. Il est niveau combien, notre cher ami? Il est niveau 5, ah bah oui. Ok. Alors, c'est reparti. On va pouvoir buter les enfants. Let's go. Alors, est-ce que je peux monter? Non. Oh, tu lui ai mis un kick dans sa gueule. Oh, c'est satisfaisant, c'est horrible. Oh là là. Alors attends, bah, pardon. Parce que du coup,
Oh, waouh. Est-ce que les trucs, ouais, ils sont dans le combat, mais ils peuvent pas nous attaquer. Bah, ils sont dans une cage, en vrai, mais... Time to push my luck again. Incroyable. Est-ce que je peux les attaquer à travers la cage? Non. Bah, en vrai, de toute façon, elle est pas... J'ai pas envie de gâcher le potentiel d'Astarion, mais... C'est chiant de se cacher, en fait. À moins d'aller là. Là. Into. Ah, je comprends, Kazan, je comprends. Ça. Into. Mais non, je suis pas horrible. C'était satisfaisant, pardon, c'était satisfaisant. Ça, c'est une madame. Le gameplay moine est extrêmement satisfaisant. Oh non. Est-ce que toi aussi, ton gardien, il te parle, genre, en mode... raté. Oui. Tu as raté. Essaye encore. je suis outrée. Ouais, c'est quand il y a le gros texte au centre de l'écran, le gardien, c'est ça? On va lui péter la gueule à ce gardien. Il n'y a qu'à venir, lui, hein. Oh merde, je les avais pas vus, eux. Alors... Oh merde. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bien le bonjour. Allez, non, bah oui. Oui, oui, oui. Vous êtes proche de moi. Bien le bonjour. Ah. Ah. Salope. Je suis momentanément aveugle. Hein? Je possède la cécité. Va prévenir les autres, y'a plus personne à prévenir. Ils sont tous morts. Y'a plus rien à faire. Si, y'a Chantal. On a laissé Chantal. Si Chantal niveau 6 se ramène, on est peut-être un peu dans la merde, non? Dans le doute, meuf, je suis désolée, mais ne va pas prévenir Chantal. Reviens donc par ici. Ça me détruit qu'instinctivement tu l'aies appelée Chantal. Je sais pas pourquoi. J'aurais vraiment voulu qu'on puisse aller lui parler. Que tu sentes à quel point vraiment elle a pas un caractère à s'appeler Chantal. Ah ouais. Mais ça lui va si bien du coup. C'est fabuleux. Mais elle va prévenir. Bah non, mais de toute façon, y'a pas. Ah, il va attaquer la porte. Ah, ils sont merdiques vos prisons, si je puis me permettre. Alors. Oh, mais qu'est-ce que. Il a tiré sur le chandelier? Ouais, je crois qu'il voulait que ça tombe, mais c'est pas tombé. Eh bah, dommage, hein. Bon, Shadow Arts. Dommage. Dégomme la gamine. Allez, on la défend. Voilà, merveilleux. Non, mais c'est... Enfin, Marie, c'est pas drôle, enfin. Mais enfin. C'est très satisfaisant, c'est très satisfaisant. Alors bon, à qui je vais péter? Je vais péter la gueule de l'araignée, Marie, je me sens plus. Hop, titubement, voilà. Incapable de la moindre réaction. Allez, vas-y, vas-y, défonce-la. Cours! Pourquoi je peux plus, là? Ah, parce que j'ai utilisé mon action bonus, déjà. Eh ben, prends un coup de bâton dans ta gueule. Voilà. Créature du démon. Mais du coup... Ah, mais oui, mais j'ai de la cécité. C'est pas grave. Bah, nickel. Bah, voilà. Tout s'est bien passé. Du coup, tout s'est bien passé. Non, là je suis bien cornered. Hein. C'est pas grave. Oh. Ah. Bah, let's go. Ah, mais incroyable. Incroyable, c'est mon truc de tentacule, là. Comment ça s'appelle? De... Ouais. Illitude. Voilà, Illitude. Je vais y arriver, au bout d'un moment. Je vais y arriver. Ou flager leur mental, si tu préfères. Toi. Oh, t'as pu résister une bestiole de cette taille. Elle m'a esquivé, Kazal, elle m'a esquivé. Juste toi, tout seul. Mm-hmm. Dégage. Et... Ça passe, ça? Et moi, je vois... Ah, ça. Attends, c'est quoi? Je sais pas, je vois pas ce que tu fais. Je sais pas, attends, j'essaie, mais je crois que c'était sur moi, en fait. Ouh! Ah. Tu t'es créé une lame de feu! Waouh! Trop belle! J'avoue qu'elle a la classe. Du coup, je pourrais attaquer avec mes attaques. Ah! Ah, bonjour! Bonjour! Enchanté! Je vais vous mettre des tatanes! Pas très solide leur porte. Hein. Non, pas vraiment. Ah, bonjour! Oh, ça va, ils font ce bonjour. Que. Bonjour! Y'a plus que eux. Et. Il reste toi là. Ok. Ok.
Oh, vas-y, je vais le tatane. Toi là, attends. Oh, dommage. Mais du coup, techniquement, je peux reculer parce que je l'ai fait tituber. Ah ah. Magnifique. Merveilleux. C'est magnifique ce truc. Magnifique. Oh là là, mais quelle efficacité. Quelle efficacité. Regarde-nous, on les défonce en fait. Voilà. C'est bon, on a une tête d'un coup là. Voilà, en plus, on a un non-ours assez énervé avec lui. Ouais, il fait nerveux. Est-ce que je peux frapper avec cette magnifique lame de feu? Ah bah, oh, j'espère bien. Ah, putain, c'est satisfaisant, oui. Ça. J'adore, j'adore. Plus. Où sont les autres? J'arrive. Nous voulons du sang. Je veux le sang. Non. Non. J'arrive. Comment ça, insuffisant? Là. Tu arrives. Ok, j'arrive. Elle arrive. Elle arrive. Ah, bonjour. Ah. Oh. Oh, il lui a mordu le QQ là. Pauvre QQ de nono. Aïe. 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 Ok. Ok. Fuego. Wow. Oh, quand elle s'y met là, ça rigole zéro. Allez, je te le défonce. Voilà. Voilà. Bim. Let's go. Tatan et bim. Voilà. Incroyable. Ce qu'on leur met, pardon, mais c'est merveilleux. Bonjour monsieur. Ouh. Bonjour. Not only do you speak with a bear, but you free it too. A true friend of nature. Alors, petit 1, on m'a dit que vous étiez un ours. Petit 2, je suis moi-même souvent un ours. Ça nous fait un point commun, dis donc. Non mais sous-entendu, tu sais, le mec qui dit waouh, vous m'avez sauvé alors que je vous saviez pas, je n'étais qu'un ours. Non, frérot, ça fait 3 fois qu'on nous dit que t'es un ours. Et moi-même, je sauve tous les rats des alentours depuis 10 ans. Tu es druide finalement. C'est ok. Je suis druide. RP voilà. Druide. Voilà. Oh là là. Attends, ravi d'avoir pu m'en utiliser, vous êtes merveilleux. Incroyable. Oh les bibis. Oui. Oh là. Oui. Bonjour monsieur. Hein. Bonjour monsieur. Quel plaisir pour les yeux, ce Alcine. C'est vrai que pas trop le temps de tergiverser. Les autres, ils sont quand même en train de se faire buter. Mais à part ça, oui, soigneur d'exception. Mais après, pour l'instant, pas trop de temps de tergiverser. Je suis I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes, I've seen it before. Are you feeling all right? Pas vraiment, non. J'ai connu des jours, mais bonjour. Ah ça, c'est un soigneur. Ouais. Hein. Ah lui, il a pas senti un bâton avec 3 picots, hein, je le dis. Ça suffit là, charlatan. Ah, oui, effectivement. Something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? J'espère que tu puisses répondre à cette question, justement. C'était celle que j'allais te poser. Figure-toi. Je crois bien que c'est cet artefact. J'ai l'artefact de Homebroker là. Eh, elle a un truc, elle veut pas nous dire ce que c'est. Ah hein, madame, non. Mais on est sûr que c'est ce truc-là là qui nous donne un coup de main là. Demandez-lui. J'ai réussi à m'enfuir d'un vaisseau. Franchement, il a l'air, on lui raconte notre vie. Hein. Oh oui. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. Mama. Moi, je lui raconte ma vie sans soucis. Ah, je lui parlerai des heures. Vraiment, vraiment, tu se mets de profil comme ça avec ce bibi là. Moi, je lui parle pendant 2 heures. Oui, pardon, vous écoutez pas. Mais je ne te regardais pas dans les yeux là, Michel. Mais pardon. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't. Mais magie, ouais, bien sûr. T'imagines le mec en train de dire c'est super grave, vous allez mourir, je ne peux rien faire pour vous. Mais quel beau bibi, vous savez. Aïe aïe aïe.
But I found the next best thing. I found out where they come from. Je n'ai pas fait chou blanc. Ça ne va pas du tout avec sa prestance. And it's where you'll find your cure. Je n'ai bu que deux gorgées de bière à 3% si jamais depuis le début de la soirée. Juste, il est tard. Non, mais juste, oui, bien sûr. Je dis, y a, parce qu'il y a des gens qui vont, qui oui, vont arriver, oui. Ils vont se dire, ouais, celle-là, elle est totale. Non, non, j'ai vraiment deux gorgées. Doucement. Donc, mon cher ami, hein, pour une fois que je regarde quelqu'un de... Genre, je le regarde d'en dessous, parce que c'est lui qui me regarde de haut. Ah oui, bah il est grand. Un grand druide. Alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil de la... Allez, puis à me concentrer maintenant. Dites-moi donc ce que vous avez découvert, allez-y. J'ai entendu que les cultistes sont sending tous leurs captifs à Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. Okay. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Mais vous m'avez bien renseigné. Est-ce qu'à tout hasard, ça vous dirait de participer, hein? Le voudriez-vous? Bonjour, bienvenue. On a une petite place, vraiment, dans le camp. Il reste des places dans le campement, vraiment, mais juste au cas où, hein, on peut vous mettre une double place parce que vous êtes assez, voilà. Ouais, alors. Oh non. Non, tu peux pas me dire ça. Tu ne peux pas partir. Il faut qu'on puisse te regarder plus souvent. Oh là là, maman. Ah, si on l'a dit, un homme libre. Bah, on a une nouvelle quête principale. Aidez le druide pour qu'il reste avec nous. D'accord, bien sûr. Oui, comme tout ce que vous voulez. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Where is the beast that survives decapitation? Je suis mort, vraiment les pires. Help me eliminate the drow Minthara, the hobgoblin draw Raglan, and that perversion of a priestess Gut. Ah bah ça tombe bien, je crois qu'on en a déjà piqué deux. Ça tombe bien. Remove them, and nature will cure itself. Alors, vous m'en demandez trop. D'accord. Du coup, j'imagine que lui, il va sauver ses potes, mais avoir un ours à nos côtés... un ours... Ce serait... Ça simplifie et quel les ours, choses. Hein. De toute façon, il en reste qu'un. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. Ah. I won't be able to help but attack goblins. Non, mais tu peux pas rivaliser Astarion, arrête. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Oh, bah t'inquiète pas. Ah, on connaît. Oh, bah c'est très discret. Tu sais, on a déjà bien géré, y a pas de souci. Hein. Aucun problème. So venez avec nous, on va vous may montrer. Sylvanas lend us nature's fury. Oh là là. Oh là, mais. Oh là là, mais oui. Oh wow. Mais quel ours. Bah du coup, Marie, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il faut aller chercher Chantal. C'est trop pour moi. C'est trop, ça y reste Chantal. C'est tout. On a vraiment laissé toute seule dans son coin. On a buté tout le monde sauf Chantal. Et du coup, et maintenant faut y aller. Bordel. Mais quelle aventure. Ça devrait pas être aussi drôle, mais franchement c'est hilarant. Ah putain. C'est parti. Attends, il y a un coffre là-bas. Mais attends, mais de base on était censé passer sans les buter et après on avait un putain d'ours niveau 5 druide avec nous pour les buter et nous on les a butés niveau 3. Oui, on les a défoncés, écoute-moi bien. Mais alors après tu peux aussi faire quasiment toute la zone discrètement. Ah. Oui, ah Chantal, c'est Minta. On l'a vu au loin, j'ai paniqué, elle était niveau 6, j'ai dit Chantal, la base, c'est resté. Elle s'appellera plus jamais Minta, maintenant elle s'appelle Chantal. Parce qu'elle est importante, en fait. De toute façon, elle va périr. Ah oui, bah là, on va la buter, là, oui, bien sûr. Allez, bien sûr, ça dégage. Aïe, aïe, aïe. Non, on n'a pas trouvé Carlac, faut que je l'amène après, il faut absolument qu'on ait Carlac. Oh waouh. Tu feras gaffe, il te manque de la vie avec ton broker.
Ah oui oui. Attends, on était. Non mais et après. Mais on peut repasser par l'échelle hein, finalement. Bah oui hein. Tant qu'à faire. Bon. Est-ce qu'on peut. Non, on peut pas faire une attaque furtive sur quelqu'un qui est au loin et regarde dans notre direction. Ça m'étonnerait. Oh, doucement. Tu as vu comment il a sauté. La discrétion. Oh bah, si, mais il t'a dit si je suis là, ce sera pas discret, hein. Ah ouais. Mais oui, il a dit. Justement, il a. Bonjour. Ah bah, de toute façon, on a même pas le temps de descendre de l'échelle que déjà Yuno, elle a provoqué le combat. Je. Alors. J'ai peut-être un peu trop avancé. Mais c'est pas grave, je vais aller me coller à son boule, voilà. Est-ce que je peux la voir de si loin? Oh, tout pile. Et je vais la pousser. Voilà. Attends, je peux la voir. Même si ça va pas jusque là. Attends, je vais essayer, je pige pas. Non, mon écran va bien, il va beaucoup mieux depuis qu'il a pris un Spock. 65%. Ah, en dehors de la il portée normale. Il a arrêté normale. De bugger. Okay. Let's go. Oh, voilà. Ok. Pas plus loin. Attends, parce que oui, Chantal, elle est toute seule, mais elle est quand même niveau 6. Hein. On va peut-être. Oui, non, mais on la défonce. On la défonce. Ah, bonjour. Oh non. Oh, oh. Attends, je ne peux pas bouger. Ah, ah, tu oh ah, oui, je me disais bien, ouais. Non, ouais, on la défonce. On la défonce, hein. Mais. Ouais. On la défonce, t'inquiète. On la défonce. Ouais. Alors. Ouais. Alors. Mm-mm. Ça va bien se passer. Ah mais c'est sûr, l'écran il a eu peur. Hein. Évidemment la paralysie. Bah ouais. Connasse va. Oh merci. Mais de rien. Bah oui. Mais incroyable. Et donc okay. Je peux faire ce. Ok. Moi je envoie ça. Ah voilà. Fic, merveilleux, merveilleux. Je vais m'envoyer un petit soin aussi. Allez, monsieur. Voilà. Comment il s'appelle déjà? Hassine. Hassine. Oh là 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 là. Ah, mais c'est moi qui le joue, pardon. Oui. Oui, bah oui. Il est à toi. Mais quel ours. Attends, mon chemin interrompu. Attends. Yes. Vas-y donc. Oh là. Pop-pom. Et oh, hop là. Hop, qu'est-ce que tu fais? Attaque multi. What? Je suis trop loin, bordel de merde. Attends, mais alors. Si je peux encore. Impossible d'atteindre la destination, mais c'est à cause de mon rayon de lune. Ou alors c'est le cucu de l'ours qui passe pas. Peut-être. Oh, bordel. Impossible d'atteindre la destination. Dommage. Mais tu te fous de ma gueule. Tu peux grogner. Je suis outré. Oh. Attends. Non. Aïe! Oh mais. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, y'a pas de soucis. Non, mais il va bien. Oh waouh! Ah, mais on a fait la plupart du boulot, vous inquiétez pas. Ouh! Il y a pas ah, mal. Ah, mais de rien. Ah, mais ils discutent. Mais de rien. You did it. Ah, oui, pardon. You non, mais c'est pas pardon. The leader's dead. Pray Sylvanas. Ouais, on est exceptionnel. Let's go, hein. Let's écoute, go, tu viens avec nous. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin. Venez donc. Ne nous quittez plus jamais, s'il vous plaît. Return to the grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Je me demandais comment ils allaient traduire bucolique. Eh ben, il a dit bucolic. Bucolic. Donc voilà. Ah vraiment, il se barre comme ça, je suis Pourquoi tu es encombré? Parce que j'ai ramassé des... Oh, j'ai ramassé le meilleur pyjama de l'univers, pardon. Oh là. Le pyjama de Chantal. Oui, le pyjama de Chantal. Écoute-moi bien, tu veux voir un truc absolument incroyable? Le pyjama de Chantal. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'as ramassé... Elle avait vraiment son pyjama sur elle et tout? Oui. Mais attends, de base, elle est sympa et tout, et on vient de l'abuser. Alors, je peux rien dire. Ah, d'accord. Bah oui, non, je peux rien dire. Mais quand. Mais voilà peux. Si tu explores le jeu et que tu fais d'autres runs, tu seras peut-être un jour amené à davantage connaître cette chère Chantal. Très bien. Et bah, malheureusement, Chantal. Mais pour l'instant, c'est non. Nous avons une larve supplémentaire, par contre. Oui,
C'est vrai ça. Et alors j'ai ramassé, qu'est-ce que j'ai ramassé sur elle? J'ai ramassé des bottes. Superbe. Ah, ça c'est bien ça, des bottes qui font vélo. Et une armure. Du coup la carte légère. Militaire... Ah, une armure légère. Je sais pas ce que tu mets toi. Toi tu mets de l'intermédiaire. Mais je te la donne parce que je crois que Astarion met du léger. La carte militaire ne servait à rien. Voilà. C'est un... Ah, par contre, le parchemin. Astarion met du léger, voyons voir. Tout Astarion, à fait. Qu'est-ce que tu lui as donné? Non, je t'ai mis dans tes poches à toi l'armure en soi. L'armure en soie d'araignée ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'était l'armure de Chantal. Du coup, Astarion a l'armure de Chantal, c'est super. Oh waouh! Je suis ravie! Tout se passe bien! Quel formidable jeu! Aïe aïe aïe! C'est magnifique! Au revoir! Alors! Ouais, le rayon de lune, c'est pas mal, Kazal! Hein. C'est un sort de druide, je crois que tu peux l'avoir aussi! Est-ce qu'on revient au bosquet ou est-ce qu'on va encore. Il y aura 8 milliards de. Alors, de notre, il va falloir qu'on passe par le bosquet à un moment donné. Oui. Moi, je te propose de t'amener quelque part avant. Et après, on décidera si tu veux qu'on se balade plus ou pas. Mais je voudrais juste t'amener à un endroit avant, juste pour pas qu'on passe à côté. Parce que, voilà. Vas-y. Tu me permets bien. Mais bien évidemment. Je te suis. Lead the way. Ouais, alors attends, du coup, parce que, bon, faut qu'on se mette d'accord. Moi, je sais que je... Dans ma run, j'ai joué un peu le RP de quand je rentre dans un endroit, je dois sortir de l'endroit sans me TP. Sans me TP en gros. Parce que là, si on veut, on peut prendre un TP genre ailleurs, tu vois, dans ceux qu'on a trouvé dehors. Ah oui, c'est vrai. Moi, je sais que je joue le RP de sortir de là d'où je viens. Le truc, c'est que là, vraiment, il y a une armée dehors. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Et que autant. Mais peut-être qu'ils sont pas au courant. En vrai, peut-être. Je sais pas. Je suis pas sûre, Marie. Mais... Donc voilà, on peut prendre un TP ou on peut passer par là et le tenter en ayant fait un F5 ou autre, au pire. Mais voilà. Moi, je dis, on va à l'entrée, on fait F5. Ouais. On sort, on voit s'ils sont hostiles, si on se fait sauter dessus par 30 pélos. Ouais. On fait F8, on TP. Oh, ok. On a encore pas fait une seule fois un F8. Je demande un joker juste... Non, c'est vrai, moi, je trouve que c'est correct. Ah, merci. Correct. Moi, ça me paraît legit. Mais peut-être qu'ils sont pas au courant totalement. Parce que quand on a buté. Tout le monde. Sauf Chantal, mais vraiment tout le monde. Et on est rentré dans la pièce où il y avait le druide. Non, mais on fera pas le fight. Et là, le mec était neutre. C'était pas au courant. Et vraiment, genre, ils ont ouvert la porte de la cage tranquille et tout, sans aucun problème. Moi, je pense que ça annonce pas une bonne nouvelle, ceci. Il y avait les gardes devant. Tu te souviens, j'ai dit, on avait rendez-vous avec la drô là. Ah bah on a bien eu rendez-vous hein. Sacré Chantal hein. Ah c'était Chantal la drô. Oui c'était Chantal la drô. Ah ouais. Oh putain mais j'étais si loin. Mais Astarion, ouais, l'autre bout du monde. Oh waouh. Magnifique hein. Hey Tanjiro, comment on va? Bonsoir à tous celles qui arrivent. Oh là là! Coup, effectivement, on va peut-être pas sortir. Au moins, ça s'appelle l'XP, tu vois. Non, mais pour la science, tu vois. Après, ça fait de l'XP. Oui. Hein. Ça fait de l'XP. Moi, j'aime bien l'XP. Ah ouais. On a laissé. Mais alors, c'est pareil. On est passé quoi, là? Level 4? Ouais, faudrait quand même attendre au moins le level 5, je pense. Tu te rappelles de l'araignée géante qu'on a vue aussi quelque part? Ouais, c'est vrai. Ça peut valoir le coup d'aller lui casser la tête, en vrai. Si on veut, à un moment. Mais peut-être pas tout de suite. Ah bon? Ça. C'est dingue, hein? Oh, c'est oh, la conquête de Shadowheart, ça se passe pas bien, Pretty. Hein. Okay. Comme je suis pas lost de la game, en fait, je suis partie avec du coup forcément moins d'appréciation et je lui ai posé les questions trop tôt. Du coup, elle l'a mal pris, elle s'est braquée, elle m'a envoyé ses trucs dans la gueule. Donc, bon, on essaye, mais j'ai fait des progrès. Hein. Il manque Shadowheart. Shadowheart, très cher. très cher. On y va. Allez. Crame-le. Attends, je l'avais. Je l'ai vu que je l'avais.
Oh, ils sont niveau 1 en plus, les pauvres. Les pauvres. J'ai vu que je t'avais. Ah, s'il te plaît, le tir. Oh, nique. Hein. Le jeu fait pas d'effort des fois. Non, mais fou. Et avec la flèche, tu l'as? Je peux le faire. Oh non, elle fait pas d'effort, je te jure. Moi, je sais plus quoi faire, moi. Je sais plus quoi faire. Aucun effort. Flamme sacrée non plus, mais tu vois rien. Je crois que c'est parce que t'as une énorme porte sur toi, mais voilà. Parade de projectile. Aïe! Oh, oh là. Oh, je vais te démolir. Regarde-moi bien, tu vas manger. Tu vas tout manger, là. Hop. Voilà. Magnifique. Terminale. Toi, dégage. Oh. Oh là là, magnifique. Magnifique. On est trop forte en fait, là, trop facile. Attends, il y en a deux autres, mais attends, on peut être furtif. Sois furtif, sois furtif. Oui, je suis furtif. Hein. Sois furtif. Mais vas-y, hein, je t'en prie. Ouais, ouais, ouais. La furtivité. Hein. Ok, non, j'ai pas réussi. Est-ce que... Vas-y, Astar, tu peux réussir le jeu. Oh, MG, elle a touché avec du feu. Pas du tout. Oh, waouh. Pas du tout. Ok, alors... Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais oui, la furtivité. Ouais, ouais, ouais. On est là. Hein. Ok. Ok. C'est quand même... Attends. Oui. Oui. C'est quand même plus simple avec un arc. Ah bah oui. C'est vite. Mais il me semblait qu'il en avait un de base, mais mais c'est non. Possible qu'on lui a enlevé après. Hein. Je sais pas. Handarna. Ça c'est moi. Quelle épée en feu incroyablement stylée. Par contre, une fois que tu l'invoques, elle reste là. C'est ouf. J'avoue que. Trop bien, druide. Hein. J'aurais pas pensé. Que ça a l'air vraiment cool. Il a combien de PV lui? Il lui reste combien? 2 PV. Ah. Et l'autre, 4. Allez. Hop. Let's go. Oui, mais ça va, on fait ce qu'on veut. Ça va, le c'est gardien, fou, là, doucement. Pas besoin d'utiliser les tentacules. Hop, même pas besoin d'être furtif pour ça. Dégage. D'accord, très bien. Putain, on l'a raté toutes les... Super. Eh bah yes. Allez, c'est Shadow Horse qui te kill, là. J'y crois. Bah non, toujours pas vraiment. Super. Non, 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 bah non. Le feu vraiment passe à son domaine. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, non, bon, mais bah. Pas de soucis, hein. Ouais. Hein. Et j'ai envie de jouer à un druide. J'avoue que ça a l'air fun aussi, druide. Hein. Bien par ici. Oh, merveilleux. Voilà. Alors, est-ce qu'on F5 pour la science? Tu veux voir à quel point c'est le bordel de. Oui, oui, oui. Moi, allez, j'y crois. Alors, attends, mais par contre, si vraiment tu veux qu'on tente le fight, faut qu'on aille se reposer. Ah, moi je veux tenter le fight. Ah bah vas-y, mais alors fais aller au camp alors. Ah allez, mais chaud, chaud, vas-y, moi je suis chaud. Parti, voilà, je suis chaud, fight, on essaye de les défoncer, mais vraiment. Allons-y, hein. Faut qu'on puisse aller sur le champ. On en a buté 16, on en a buté 16. Oui, 16, c'est vrai, c'est vrai. On peut tout faire maintenant. Allez, hein, dodo. Totalement. Hop là, incroyable. Oh waouh. Qui veut parler? Astarion. Mais il en a des trucs à dire, c'est fou. Il en a des choses à dire, c'est fou. Non, ça m'étonne pas. Allez, viens par ici. Oh, qu'as-tu wow. à nous dire ce soir, mon cher ami? Looking at something. Attends, je dirais parler. Aïe, aïe, aïe. Oh, le chapeau de pirate. Que faites-vous? But not seeing very much. Oh, c'est profond, ça. Affliction. Ah, tu te vois pas dans le miroir? Ah, mais oui, c'est un vampire. Ah, bah oui, c'est vrai. Salut Laurent, ça va et toi, comment tu vas? T'es tellement mégalo, je suis sûr ça te manque. Preening in the looking glass. Petty vanity. Of course I miss it. Bah, ça fait pas de mal un peu de vanité de temps en temps. Not since it grew fangs and my eyes turned red. Oh non, il faut mieux, croyez-moi, vous payez ces mal bichettes. Non, alors on va faire la conversation. T'avais, je suis sûr, t'avais les yeux bleus. Oh non, bichon. I can't remember. My face is just some dark shape in my past. Oh, oh non, bichon. Pauvre miroir.
C'est 7 ans de malheur. Tu me diras, lui, il a vraiment une vie. Il, pas... il n'est pas à sa près. Non, putain, mais... Soit tu flirtes, soit t'es un immonde connard. Donc, je pense que je vais... Je ne peux pas être un connard. On va rien dire, on va le regarder dans les yeux. Regarde-le dans les yeux. Je le regarde dans les yeux. Oh là là, ses yeux vraiment reptiles. What? C'est de la chance, votre tête, la voit tous les jours. Oh waouh! Je suis le miroir, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Je veux savoir ce que le monde voit quand il regarde moi. Ce que tu vois. Un homme aux cheveux blancs. Les rides autour de vos yeux, putain. Non mais putain, mais non mais... Oh là 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 là! Tu peux pas, y a pas de choix neutre! Bon, en vrai, vieux, les yeux vifs et perçants, ça va. Mmh. Non mais ça, connard. Bon, ça c'est rigolo. Ah, les rides autour de vos yeux, en vrai, moi je trouve pas ça genre... Parce qu'en vrai, c'est les genre... Je trouve ça moyen. Tu sais, mais en vrai, c'est les rides d'expression, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas. Ouais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après... Ouais, mentionner les rides de quelqu'un. Non, ouais, moi, ouais, voilà. C'est sûr, ouais. Oui, les yeux vifs, bien sûr. Non, mais ça, c'est... aïe. Allez, instant flatterie d'ego pour Astarion. Ah, c'est parti. Fou. Ouais, j'aurais dit, voilà, bah, t'as les yeux rouges, t'as les cheveux blancs, t'as les oreilles pointues. Voilà, t'as les cheveux... Alors, mais ça, c'est trop bizarre. Mais t'as les cheveux blancs et bouclés. Mais non, on va dire que oui, bien sûr, légèrement au niveau de... Oh, Seigneur. This is meant to be flattery, not poetry. Just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Oh, wow. Oh là, les gars. Vous êtes pas trop mal, en revanche, un vrai cœur est une vraie beauté. Aïe, aïe, aïe. Attention. Non, mais en vrai, mais tu vaux mieux ça, bichon. T'as pas besoin de compliments. Hardly. There's also voilà gold, sex, il revenge. Approuve de ce que j'ai dit. Quite the list, really. Mais voilà, l'or, le sexe, la vengeance. Voilà. Ça, c'est bien, là. Oh, merde. Ah, mais c'est bon, quand même. Oh, wow. Je vais essayer bon. De parler à Lesel. Ça fait longtemps. Oh, Lesel. We have yet to find Zoru. Or have you so quickly forgotten? He has seen our people, oui, oui. And where we find Githyanki. Complètement. Oh non, putain, la crèche. La crèche, bien sûr. On est en route. On a failli faire toute une soirée pyjama sans que cette meuf parle de la crèche. J'avoue que le pyjama. Eh, il est incroyable. S'il te plaît. J'avoue. Le pyjama de Chantal, vraiment, vraiment top 1 ou top 2 avec celui de Ombrecoeur. Vraiment. Oh là là. Ouais. Hein. Le pouvoir. Non, c'est tout. Hein. Bah, à part rien à dire. Hein. C'est fou ça. Hein. Bon, bah, prends ce pyjama. Si on peut changer il les va pyjamas. Il bien la momie là. Ouais, il va bien. Lui, il a pas parlé, il a pas trop de conversation. Non, il est. Oui, voilà. Il y a pas de nouvelle ligne de dialogue, non. Oh waouh. Bien écoute. C'est parti, hein. Non, mais non, tant qu'ils ont pas de point d'exclamation, en fait, c'est. Non, pas, oui, non. Pas... Après, tu peux aller leur parler de temps en temps, mais. Ok. Ah. Eh bien. Comment ça? Ah non. J'ai annulé l'action. Ah. Tu as annulé l'action. Bah, pourtant j'ai pas touché. Nous avons annulé l'action. Qu'est-ce que ça? On est ready là. On est ready. Oh waouh. Oh, je rêve. Ah, je rêve de nouveau. Toi, tu vas arrêter de dire seulement quand je rate mes jets dans mes hauts. Ça fait deux jours, hein, la vérité, c'est pas passé grand-chose, hein. On a trouvé un ours qui s'est affairé à être un homme de rite extrêmement. Extrêmement. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. Mm-hmm. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Holsin might be able to remove your tadpole. Mm-mm. But he couldn't. Effectivement. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Dis-moi où est le bon endroit, Papa Noël. Dis-moi où aller. Yes. Dis-moi donc, tu es un gardien.
Your parasite is unusual. Ah pardon, t'as pas les mêmes dialogues, donc je me tais. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Until the source of the tadpole's magic is destroyed. Mais ça, je crois qu'on peut tous les faire à peu près. Any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Holson knew this. His instincts are right. The parasites were merely a symptom of a greater sickness. Bizarre, bizarre, tout ceci n'est-il pas? Dites-moi un peu ce sujet de cette magie. Use the parasites with special powers. Some that benefit, most that harm. But more importantly, it enables the hosts to be controlled. The infected hear the voice of the absolute. Ok, ceux qui sont infectés entendent la voix. That is how the cult of the absolute is spreading. Eh bah yes. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. C'est vrai, ça aurait été sympa de voir le diavolo. It would not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Ok. Because I am just like you. Si, si, bien sûr que si, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fous là? Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. Donc il y a une espèce de monde parallèle. I will hold them off for as long as I can. Ah bah lui on sait pas trop où il est, mais il est... J'avoue. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Eh bah yes. Wouhou. Ok. Incroyable. Incroyable. Eh bien, pourquoi pas, hein, finalement. Ah, on en apprend pas mal de petits trucs, là. J'avoue qu'il s'en passe des choses, en fait. Ah bah... Donc... Le chien-chien veut parler. Je suis désolée. C'est essentiel maintenant, tout de suite. Que se passe-t-il? Let's go. Le chien-chien. bah garde, mais tu veux que je te lance la balle? Je te donne la, donne-moi la balle. Mais oui! Attends, je le caresse, mais après je lance la balle. Faut que j'arrête, faut que je change cette ceinture. Quand je caresse le chien avec la ceinture, c'est on dirait que. Qu'il y a un problème. Est-ce que je peux jeter la balle? Objet reçu, la balle. Oh bordel, c'est un objet légendaire. Oh la balle! Tu peux lui envoyer. Oh bichon! Oh là là! Ça fait un peu stalkeuse, vous pensez, non? Genre vraiment, hé, tu veux me parler, Ombrecoeur? Ombrecoeur, viens, on se parle. Il me la rend! Non, mais. Mais j'adore! Viens, Ombrecoeur. J'adore ce jeu. Est-ce que tu veux qu'on discute ensemble? Genre vraiment. Je peux la lancer loin? Non. Ouais. Ombrecoeur? Va chercher. Est-ce que. C'est magnifique. Je t'ai déjà dit que je trouvais tes yeux verts. Attends. Tes yeux verts, mais magnifiques. C'est beau. J'adore le vert. Ça te scie à ravir. Est-ce que tu voudrais qu'on c'est sorte? C'est beau. Regarde, on t'essore commun.
Ah. On peut appeler le chien-chien maintenant ? Tu peux appeler le chien-chien. Ah, appel de familier. C'est pas alors, Queen, merci beaucoup, bonne nuit. Vous appelez Gratouille qui est un très bon chien, mais bien sûr. Non. Gratouille. Trop bien ! Elle le plus beau toutou de tous les toutous. Le beau chien-chien. Incroyable. Il y avait un endroit où tu voulais m'amener. Alors, est-ce que on bagarre ou j'ai vraiment un mauvais, je crois elle est pas intéressée, c'est pas grave. Je ne suis pas douée avec la mémoire. Non mais t'inquiète, mais... c'est difficile à suivre ton jeu. Il se passe trop. Là, je crois qu'on se prépare à vraiment se faire dégommer ou peut-être on va vraiment faire un miracle hein. Je quitte le camp. On va te démonter la gueule de tout le monde. J'ai 5. Bah, voilà, magnifique. Mm-hmm. Les réflexes de survie. C'est parti. Attends, est-ce que je peux mettre... Attends. Est-ce que j'ai pas aide ou un truc comme ça, là ? Ouais, voilà. Hop. Voilà. Ça nous met des PV en plus. Wow. 5 PV en plus à tout le monde. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Mm-hmm. Voilà. On peut y aller. C'est parti. Allez, let's go ! Et bien le bonjour. Oh, waouh ! Alors, effectivement, ils sont au courant. Après, ils sont éméchés. Ils sont éméchés, c'est donc vrai. Donc il y a une grande partie sont... d'eux qui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On en a buté 16, you know. On peut le faire, je pense, en vrai. Ça se trouve, on le fait. Franchement, il faut qu'on défonce très vite l'ogre. Parce que je pense que lui, ouais. Il va nous défoncer, lui, tu vois. Genre, oui, si on s'y met, là, on le défonce... Ok, je l'ai bouffé juste, et du coup, est-ce que je peux l'attaquer maintenant que je suis content? Maintenant que je suis content, j'ai il est heureux quelqu'un. À cet arion. C'est il parti. Quelqu'un. Non, ça provoque une attaque. Ok, je suis obligée de rester devant. Ok, après. Aïe. Oh oui, belle esquive ça. Ah. Alors. Oh ouais, nice. Ok. Par contre, ils vont nous corner au bout d'un moment. Ah bah, ils vont... Voilà, là, ça va être à eux. Ok, c'est à nous. Alors... C'est à nous. Mm-hmm. Je pense que je vais aller me mettre derrière... Putain, Shadow Horse qui joue vraiment après tout le monde. 100%, elle m'a fait un nat vraiment à l'initiative. Elle fait pas d'effort. Attends, est-ce que je peux... Oh, waouh. Beau, oh oui, oh oui, ça c'est beau ça. Encore un petit coup. Allez, maintenant je me bats. Allez. Hop là. Écoute. Allez, on va faire un peu. Oh non. Oh, il a sage. Oh non, je suis triste. En vrai, ils sont giga groupés, faut les laisser se rapprocher et on a encore une bombe. Oh, j'ai encore des tonnes de poudre à canon, Marie. Ouais, j'ai la grenade et tout, moi. Oh ouais. Y'a un monde, hein. Ah. Défonce-les là, voilà! Ça c'est pas mal hein, un petit pouvoir d'élite. De... Ouais, c'est pas mal hein. Parce que j'ai l'impression que ça me fait un maléfice, mais. Ah, Shadow Horse en première ligne, vraiment! Merde! Non, voilà, foncez, barrez-vous! Faut qu'elle puisse se soigner déjà. Alors, du coup, alors... nous disions. Attends, c'est pour moi ça ou pas? Il faut qu'une énergie curative qui soigne vos alliés. Ah non, mais alors attends, moi je vais me soigner moi déjà, parce que les autres pour l'instant on a rien. Mm-hmm. Donc en action bonus, on va se soigner. Voilà, et en action okay. Pas bonus, on va essayer de s'énerver contre lui. Hein. Pourquoi j'ai des avantages? Est-ce que je suis menacée par lui là? Derrière toi, ouais. Ok. Ah bro! Putain, du coup je peux pas bouger. Ok, bon c'est pas grave, on va les défoncer. Ouais, lui peu importe, ouais il me voit. Hein. Là effectivement. Ah ouais, beaucoup d'action ici, hein, le combat. Manu Frost. Mm-hmm, mm-hmm. You can do this. Ah oui, le crit oui là, voilà. Voilà. Et ça. Voilà, merveilleux, merveilleux. Merveilleux. Attends, je peux encore. Bah oui, allez, encore. Hein. Ah oui. Je peux toujours pas me barrer. Oh, si. Parce qu'il est gelé.
Mm-hmm. Je m'en vais. Est-ce que... Non, peu importe où je suis, on me voit partout. C'est pas grave. Hop. Ah. Oh là là. Ouh, nice. Merveilleux. Est-ce que ça te va si je te laisse alors est-ce que ouais non il lui reste 3 PV à lui en vrai. Ouais. On va le défoncer hein. Il lui restera une pichenette et c'est bon. Que à la limite même Astarion pourra lui mettre la pichenette au tour d'après puisqu'il rejouera pas là. Oui. OK, et eh ben je vais envoyer un truc genre putain, j'ai marché dans l'électricité. Merde. Bon, bien. Il est l'heure d'envoyer la bombe, Marie. Ah ouais, vas-y. Démange-le. Yes. Let's go. Allez. Et du allez, coup... ça dégage. Ouais, mais ils ont... Ouais, je vais me mettre là. Hein. Voilà. Oh là 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 là, c'est si beau. Parfait. Je suis émue. Parfait. Voilà. On va les avoir, Marion. Il y a un monde, hein. Franchement, franchement, ils sont éméchés, hein. Ouais, ouais, ils sont éméchés, c'est vrai. Nous, on n'est pas éméchés. Nous, on est là. Hein. Totalement. Hein. Est-ce que si je fais ça... Aïe, aïe, aïe. Strike. Ah là, ça fait plaisir. Hein. C'est un grand rayon. Mais on bombarde, ouais. Là, ça, c'est ça. De quoi, le rayon de... La bombe. La bombe. Ah oui, oui, c'est... Oh oui, oui. Oh bah écoute, on les a trouvés, on les utilise, hein. Ah, oh, on fait le ménage, hein. Merveilleux. Bah écoute, parfait. Eh bien écoute, tiens, Shadow Heart, prends donc ceci. Oh, incroyable. Incroyable. Magnifique. Quel teamplay. Franchement, les défonce. Oh mais, oh ouais, mais quoi. Wow. C'est mon aptitude, ça. Mais c'est beau. Mais il est incroyable. Mais je veux le refaire. Comment j'ai fait mais ça. Let's go. Comment. Comment est-ce arrivé? Il reste de là. Du coup, Astarion, tu finiras le Giant, oui. Avec un petit coup de couteau, on est d'accord. Hein. Oui, oui, oui. Bon, bah vas-y. Hein. Ok, pas mal. Et après, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça. La petite hache, bien sûr. Ah, la fameuse. Ah, ouais. Hein. La fameuse. Alors, petit coup de couteau, toi. Hop, hop. Là. Oh non. Alors, on a dit petit coup de couteau. Petit coup de couteau, s'il te plaît. Voilà, entre les deux côtes, là. Bim. Voilà. Mais est-ce je suis un Jedi, que... mais j'ai pas compris ce que j'ai fait, mais c'est incroyable. Je suis en contrebas. Mais écoute, je... Attends, non, je peux au moins bouger. Fais voir, là. Il me voit, il me verra pas ici. Moi, je peux pas m'accroupir, mais au moins, je peux avoir une meilleure vision. Moi, je pense sur... au fait qu'on va pouvoir ramasser le nain rôti après pour le camp. Bordel. Non, arrête. Arrête. Non, 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 non. On va pas le faire, non. J'ai son poème, you know. On lui rendra hommage, Marie. Tu veux une petite côte de nain. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelle horreur. Dis donc. Alors, si je puis me permettre. Genre, de type se permettre. Voilà. Permets-toi donc. Bien sûr. No time for mercy. Ensuite-toi. Tu vas prendre la tatane. Oh là là, le mec. Oh là là, magnifique. Non, mais je fais des dégâts. Mais moine, c'est cheaté, hein. Enfin, c'est fort en vrai, hein. Avec les actions de bonus, tu fais masse dégâts. Bon, après, c'est les points de ki, mais. Voilà. Pas mal. Il a crié. Ah. Il est pas content. Ah, Ça, c'est oui, trop bien. Choc. Allez, bim, non. Voilà. Magnifique. Oh, cette épée de flamme magnifique. Te va ravir. Hein. Vraiment, elle est je magnifique. Je l'adore. Hein. Elle est beautiful. Moi, je tanque pas tant que ça, mais j'ai une bonne dexté. Du coup, je réussis souvent les esquives. Hein. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est chouette. Hein. Attends, soit ceci, soit... Est-ce que ça rebondit un peu plus loin? C'est une bonne question. Que nous prépares-tu? Hop. Oh, la vague tonnante. Ah, oh oui. Ça les pousse. Ah oui, oui, mais c'est chouette. C'est donc ça. Ça marche. Eh, il y en a une que t'as tuée là sur le coup. Merveilleux. Magnifique. Hop. Oh là là. Ah, oh là 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 là. Incroyable. Oh, mais là justement, j'hésitais tout à l'heure à monter la force à 14 ou à mettre genre. Ok. Avec les dons.
J'adore. Magnifique. On va les défoncer, Marion. Mais on va les défoncer. Genre vraiment. De type. Allez. Voilà. Wow. Voilà. Voilà. Voilà en fait. C'est bon, ça. Ouais, bah c'est ça. J'ai pris Bagarreur des Tavernes tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit putain, faudra que je monte la force. Hop. Parce qu'on est d'accord que les attaques à main nue, c'est la force, pas la dexté. Hop là. J'étais pas sûre de ce stat en fait. C'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite. Ah non, je peux pas faire un deuxième coup d'arc là. Je peux que faire main secondaire. Sinon. Je déjà préfère ça. Je peux rester comme ça. De toute façon, ils vont venir vers nous, hein. Ouais. Au quota. Mais ils foncent, du coup, ils font pas d'action. On va les défoncer. Mais ouais, hein. Il en reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Let's go. Oh là là, mais quel talent en fait. Ils étaient 13, 14, je sais plus. Oh là là, merveilleux, merveilleux. Franchement. Bon après, louer soit les grenades. Ah, les grenades nous ont pas mal carry, j'avoue. Les après, deux, elles ont... Ah mais oui, elles ont éliminé. Bah oui, mais c'est pratique, parce que là, en plus, comme ils ont pas tant de PV que ça, le problème ici, c'est leur nombre. C'est-à-dire que comme, effectivement, quand c'est ton tour, t'attends vraiment 20 personnes qui ont le temps de te dégommer tous tes PV, tu vois. Oui. Mais ouais. Hein. Oh là. Ouais. Hop. Oh oui. Allez, hein. Franchement, incroyable. J'ai pas de ressources. Je n'ai pas de ressources. Oh, je peux faire ça à la limite. Pourquoi pas? Je peux en essayer un autre. Tiens. Oh là, oh là. Ouh, le chien. Ah, gros gros. Graou. Oh, gros gros. Attention. Ah, oui, ça rigole plus. Oh, il est trop bibs, ce loup. J'adore. Mais. Vous allez arrêter de monter en hauteur là, vous êtes où là? Il y a lui qui est là, l'autre qui est là-bas. Ok, ok. Oh, tant qu'on y est en vrai, vas-y, hein. Comme là. Oh, dommage, ah, dommage. Des fois, tu fais pas d'efforts. C'est vrai. Ouais. Pas beaucoup d'efforts. Ouais. Non, elle est pas très forte en visée. Terrible. Alors que. Petite tatane. Alors. Bim. Bim. Deuxième tatane. Bim. Oh. M'a esquivé. Dommage. En forêt. En vrai. Hop. Attends. Bagarre des cavernes. Des cavernes, bah oui. Hein. Ah, de taverne, la force seulement, il me semble, mais si t'as des potions de géant, ça fait la même chose car elle te donne 21 de force. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouh, oui. Ok. Bah oui, en fait. C'est ça qu'on veut, voilà. Let's go, hein. Franchement. C'est ça qu'on veut. Ah mais merveilleux ce qui se passe. Merveilleux. Incroyable. Franchement, il en reste deux là. Ils sont planqués, ils ont peur, ils savent que c'est fini pour eux là. Ils savent que c'est terminé là. Ça va dégager bien sûr. Oh. Ok. Ah ouais. J'accepte. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ah oui? Ok. Je veux les attaques de loup, ça a l'air très rigolo. Oh. Ah non, mais je peux pas l'atteindre. Ah! Non, me dis pas. Même en sautant? À côté. Ah, peut-être en sautant. Ah, mais non, mais. Ah non, mais. Attends. Est-ce que si je saute. En fait, tu sautes, tu gagnes du terrain et tu finis par. Voilà, let's go! Ouf! Ah, gros gros! Et tout! Ouf! Oh là là! Tu l'as croqué. Je l'ai croqué. Oh là là! Magnifique! C'est parti! Hein. Y'a plus que lui, hein! Ah bah oui! Oh, allez, ça par en Dieu! Incroyable! Aïe 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 aïe! Alors peut-être, Ombrecoeur. Une action. Une action. Peux-tu réussir? Peut-être. Ah, et bah non. Le magasin. Le magasin. Try me. Oh putain. Magnifique.
Oh GG, on a fumé tout le camp under level. On n'était pas level et on les a dégommés, mais putain. Incroyable, mais l'XP qu'on a eu grâce à ça là. Ouh, franchement, c'est giga clean ce qu'on a fait. Hein. Incroyable. Incroyable. Hop. Petit court repos. Franchement, je suis ravie, hein. Ah, mais... C'est si beau ce qui se passe. Vraiment, on a tapé tout le camp. Absolument tout. Ils y sont tous passés. Alors, faudrait retrouver le cadavre du marchand. Au moins. Du marchand ? Bah ouais, parce que les marchands, quand ils meurent, ils laissent un peu de leur loot. C'est au hasard, tu vois, mais... Ah, je l'ai. Il est là. Ouais. Oh, il a laissé une armure et des parchemins. Qu'est-ce qu'il a laissé comme armure ? Nombre de trucs. Armure de peau, armure intermédiaire. Ah tiens, peut-être pour toi ça. Hein. En vrai. Toi tu mets de l'intermédiaire. Bon, je sais qu'on me recueille aussi, mais... Au pire, je te récupérerai la tienne. Elle fait quoi celle-là ? Non, j'ai deux, en plus calme, j'ai l'initiative. Et la tienne, elle fait quoi ? Ah, je sais pas. Moi je trie rien, je prends tout, hein. On est d'accord. Hein. Oui, on vendra. Ça se vendra, hein. Bien sûr. Après, c'est surtout pour faire gaffe de pas avoir les poches encombrées, quoi. Ouais. Alors. Ça me connaît bien, les poches encombrées. Je dois avoir mes sacs sur les jeux. Hop. Bah, franchement, pas besoin de DTP, hein. Bah, non, en fait, hein. Finalement, tout va bien. Hop, je vole la boîte à musique. Au début du live, on était là. Mais oui, de on ouf était là. Il y a quelques épisodes pour les rediffs là. Ah oui, oui, on était là. Et là, on est de nouveau là, mais on a buté tout le monde. Oh putain, absolument tout le monde, c'est incroyable ce qui se passe. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, mais en vrai, c'était très fun. C'est bien bagarré, on a eu un peu de difficultés, mais on a réussi à gérer. Let's go quoi. Ravi. Franchement. Est-ce que l'endroit où il fallait aller est loin d'ici? Tout dépend. On peut un peu. En fait, ça entamera un autre truc. Donc en vrai, on peut s'arrêter là si tu veux. Ouh. Oui, bonjour. Je voulais essayer de faire AOU. Vitesse de déplacement augmentée de 3 mètres. Oh, cool. Magnifique. C'est un petit peu loin, donc ouais, quand même. Nous sinon, pouvons. Là, on y est encore jusque minuit et demi. Voilà, je pense. En vrai, on peut se stopper là. C'est une belle session. On a fait tout le camp, vrai. Franchement.